Alors, on va essayer de voir ce que donne le Minimax sur le circuit. Tu vois là-bas, tu vois comme quoi c'est important la suspension arrière. Comment on fait le self-threatening. Bon, c'est aussi catapulté. Ça c'est le pilote hein, parce que bon, deux voitures de catapultage. Eh bien, n'empêche que... pas si balourd que ça en fait hein. Bon. Peut-être un petit peu d'exagération. Zey. Oui, ah, c'est un petit peu plus chatouilleux, faut être honnête. Faut être honnête. En même temps, c'est fait pour vous. C'est un max. Mais je veux dire que globalement, il est quasiment aussi vif, je parle dans la direction, qu'un TT à 8. Hein. Faut être honnête. Puis lui, s'il s'en fout, s'il loupe la target, tu vois. Les pneus sont pas mal parce que ils accrochent pas trop. Ah putain! Oh punaise! Oh pardon! Oh punaise! Et le gros shot qu'il a pris dans le poteau là-bas? Qui dit Minimax, qui dit, il dit rien du tout mon ami. Oh. Bon, clairement, faut lâcher les gaz. Ça passe la patate quand même. Hein. Je peux vous dire que c'est de la patate qui passe là. Je vais vous montrer la différence du passage. Là, il y a la patate qui passe quand même. Et il y a. Ah déjà, il est plus vivant sans AVC, hein, ça c'est sûr.
va juste leur mettre la bavette devant parce que c'est tout... ça fait pas joli. Ah oui, quand même. Voilà. Eh ben, tu sais que je suis assez impressionné. Alors, tu vas me dire, j'ai essayé le piton par collision mouillé. Donc c'est vrai que ça motrissait moins, il y avait moins de direction, ça glissait plus. Là, j'ai emmené exprès le piton. Oh. 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 Pour éventuellement supplier une casse. Voilà. Hein. Ouh. Ah oui. Bah voilà. Car donc cassé mon ami. Ch'ting ch'ting. Bien propre hein, par contre. Propre, propre, propre. Ben ça tombe bien, je voulais acheter d'autres. Et ben on va le prendre. Voilà, maintenant c'est fait. Bon en tout cas, brièvement. Il y a du potentiel, enfin moi j'adore, sur un piste là, pilotage, sympa comme tout. Eh ben voilà, par contre, je pense qu'on a eu un petit souci, je pense que la route s'est pris dans le truc là. On va juste faire une vidéo comparo avec le piton, et on va voir, et puis comme ça vous pourrez voir comment ça se passe. Alors j'ai plus de batterie, mais quand les pitons... Ouf. Sur la piste partant sèche. Ah ouais, non, j'ai rien dit en fait. Non, j'ai rien dit. C'est juste parce que c'est plus sec que ça motrice mieux. Allez, allez. Ah ben voilà. Non, avec la piste plus sèche, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Mais ça peut couper à tout moment. Oh là là. Bon, n'empêche que ce qui est bien avec le Max, c'est quand même le bruit. Ah, ça c'est ma faute. Ma faute. Trop brutal. Peut-être elle peut mettre un peu moins de frein quand même. Yep là. Bon, je pense que les pneus, effectivement, c'est pas non plus la panacée par rapport à des pneus de compète. Oh, elle m'énerve ce truc! J'en peux plus, je vais venir avec un bulldozer et je vais la couper. Ah, tu vois, ça va être... Oh. Bon, on va pas dire que c'est pas solide, Corrie, hein, après. Ma faute aussi.
It's a tarot. Ça accroche différemment, moi je peux vous le dire. Ça accroche différemment. Autant sur l'humide, c'est un peu comme autant sur l'humide. Ah, oh, ça glisse tout, tu rattrapouilles quoi. Là, ça accroche et tu rattrapes que dalle. Oh là 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 là. Oh là là. On prend juste un petit bilan à la fin, parce que là, il prend des gamelouilles. Et pour l'instant. Ah oui, tourelle défoncée. Oh putain. Regarde donc. Oh la vache. Bon, on fera ça après. Hein. Tourelle. Oula. Oula là là là. Oh putain, la gueule, la tourelle. Hein. Regarde donc. Ouais, vu le pack que j'ai pris, bon, en même temps, hein, tu vois. L'arrière, tu vois, ça a rien. Alors, l'avant. Pourquoi mettre l'avant? L'arrière à 5 et l'avant à 4. Alors qu'on sait tous que c'est l'avant qui morfle. Ça aussi, c'est un mystère. Je ne sais pas. Il y a des trucs comme ça. Allez! Il veut pas, il veut pas. Voilà, voilà. On va remettre ça dans les tours et puis on va demander à. Ah ouais, mais. Ouais. Ça bride un petit peu la suspension. Gentiment, je demande à Jérôme s'il peut nous faire des pièces carbone pour le Python. Et bon, si je lui donne des tours un peu tordus, bon, c'est pas grave. Oui, non, mais bon, je confirme, c'est sûr que c'est un autre plaisir quand tu fais aller vite sur une piste de TT. Tu prends TT à 8 et puis voilà, c'est tout, hein. Le max c'est très bien, c'est rigolo, mais là c'est sûr que t'as une arme de guerre quoi. Oh, elle était pas loin. C'est encore ma faute, putain, pour que je freine. Parce que mine de rien, elle est quand même assez équilibrée. Ah, il y a peut-être de la violette aussi. L'ouverture de tram paraît suspecte. Cette heure n'est plus vos culs. Avant que ça coupe. Voilà, hein, voilà, voilà, voilà. Alors là, ça a l'air d'aller. Ah, c'est de... Sauf cerveau qu'il faut que je refaire. Oui, alors voilà, bon, comment dire, nous avons un petit souci au niveau de la suspension. Et puis l'angle, c'est vachement ouvert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, regarde ça. On a vu, il y a un petit schmilblick.
Ah oui, voilà, d'accord, il y a un petit peu de jeu qui s'est passé. Bon, on va arrêter le massacre, hein, hein. Il a pris des gamelles, ça c'est sûr. C'est de l'alu au Bao, Arma, c'est les mêmes. Sur un truc comme ça, ils n'auraient pas résisté. Jérôme, fais-le du vice carbone. Ciao.